Good morning, Aleid, on étudiera aujourd'hui le Nishmat Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha bat Chaim Nechemia, ainsi que l'Irfouat Avraham Uri ben Reut Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Horayot, Perek Gimel, Mishnah Dalet. Ve'eize hu ha-Mashiach, ha-Mashuach, ve-Shemen ha-Mishra, lo ha-Merubeh Begadim. En ben Kohen ha-Mashuach, be-Shemen ha-Mishra, nimrubeh Begadim, el ha-Par ha-Ba al kol ha-Mitzvot. En ben Kohen meshamesh le-Kohen she'avar, el ha-Par yom ha-Kippurim, ve-Asirit ha-Efa. וזה וזה שווין בעבודת יום הכיפורים, ומצווין על הבתולה, ואסורין על האלמנה. ואין עד מתאמין בקרוביהן, ולא פורעין ולא פורמין, ומחזירין את הרוצח. On va introduire d'abord trois sortes de Kohen Gadol. Lorsqu'on voit le mot Kohen Gadol, le mot Kohen Gadol, le grand prêtre, en réalité, il faut savoir, il y a plusieurs formes de grand prêtre. Ce n'est pas forcément un seul titre chez une seule personne. On peut se retrouver des fois avec deux, voire trois Kohen Gadol même, et avec encore des petites nuances à l'intérieur d'eux. Tout d'abord, il faut savoir, et le Kohen Gadol, c'est vrai, c'est celui qui a le grand poste de présider à la tête de tous les Kohanim, celui qui va mettre ce qu'on appelle les Shmoneh Begadim, avec le pectoral, et qui va avoir plein de halachot particulières pour lui. C'est lui qui va faire la avoda, le service de Yom Kippour, par exemple, que lui rentrer dans le Kodesh à Kodashim pour aller là-bas avec l'encens, asperger le sang des corbanotes particuliers et faire les kapporot de tout l'âme Israël. C'est vrai, c'est lui le grand Kohen Gadol. Mais tout d'abord, entre parenthèses, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Mashuach Milchama. Lorsqu'on partait en guerre, il fallait aussi le Kohen Gadol qui partait avertir et entretenir les soldats pour plusieurs halachot, et ce qu'on appelait le Kohen Mashuach Milchama. On prenait pas le même Kohen Gadol, on prenait un Kohen Gadol, un deuxième Kohen Gadol en fait, et on lui mettait l'huile d'onction, il devenait lui aussi Kohen Gadol, on lui mettait d'autres Shmoneh Begadim, les 8 Begadim avec le pectoral, et il était devenu ce qu'on appelle le Mashuach Milchama. Un peu, si je peux dire, les Abdil, comme il y a le Rav Arashi d'Israël et il y a le Rav Arashi de l'armée. Ouais, d'accord? Les Abdil, Elef Alfa Al-Abdalot, il n'y a pas de rapport entre les deux. En tout cas, on revient sur notre sujet. Il faut savoir maintenant qu'il peut y avoir encore une troisième sorte de Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol, comment dire, temporaire. Si le Kohen Gadol classique normal a eu un accident, par exemple, il a été impur le jour de Yom Kippour, alors il ne peut plus faire, lui, le service de Yom Kippour. Pour éviter d'arriver dans une situation pareille, on nommait un deuxième Kohen Gadol, c'était le Sgan, d'accord? Le Sgan, le second. C'est les mêmes lettres, Segen, Sgan, second. On en nommait donc un second, et on lui laissait, donc au cas où le premier avait une crevaison, et bien l'autre pouvait venir le remplacer, d'accord? C'est un Rechev Khilouf, Galgal Khilouf, une roue de secours. Donc on nommait un deuxième Kohen Gadol. Il avait aussi un statut de Kohen Gadol. Lorsque le Kohen Gadol ensuite, initial, pouvait revenir et reprendre son poste, on disait au deuxième, mets-toi de côté pour le moment, lorsqu'on aura besoin de toi, on te rappellera. D'accord? Il y a à part ça, il faut savoir qu'il y a eu une époque du Ham Israël, ça s'est passé à l'époque de Yoshiyahu, avant de partir en exil, à la fin du premier Beth Amikdash, Yoshiyahu a dissimulé l'huile d'onction. Ce qui signifie qu'au deuxième, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on n'avait plus l'huile d'onction. Alors comment est-ce qu'on devenait un Kohen Gadol? Uniquement lorsqu'on le désignait et on lui disait de porter les Shmoneh Begadim et sans huile d'onction. On lui versait pas l'huile d'onction. Il devenait malgré tout Kohen Gadol. Il prenait toutes les misotes. Ce qui signifie que pour le moment, on a parlé de 4 Kohen Gadol. Un qui ne m'intéresse pas, qu'on ne va pas en parler dans la Mishnah, donc je vais le mettre de côté, c'est le Mashuach Milchama. Le Kohen Gadol qui part spécialement en guerre, lui, on le met de côté, on n'en a pas. On ne va pas en parler dans notre Mishnah. On va parler essentiellement de 3 Kohen Gadol. Le Kohen Gadol classique, le Kohen Gadol qui le seconde. Et c'est ce qu'on appelait déjà dans la Mishnah Bet, le Avar Mimeshi Chuto. On va expliquer pourquoi. Donc, deux Kohen Gadol, celui qui est en fonction, celui qui est en temporaire, et celui qui est Merubé Gadim. Celui qui a uniquement les 8 habits, mais qui n'a pas été désigné par l'huile d'onction, qui a aussi un statut de Kohen Gadol.
Le but de notre Mishnah maintenant va être de nous dire, lorsqu'on remarque dans toute la Torah, il y a plusieurs halakhot qui dépendent, qui sont spécifiques au Kohen Gadol. La question sera de savoir pour quel Kohen Gadol, à quel Kohen Gadol s'adresse l'épisode particulier. On va prendre un exemple. Vous allez voir dans la paracha de Emor, qui traite là-bas particulièrement des halakhot des Kohanim, vous allez voir que par exemple, un Kohen classique, il n'a pas le droit de s'impurifier pour les morts, mais pour ses sept proches, il a le droit de s'impurifier. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, ça dépend de sa sœur, si elle est mariée ou pas mariée, son fils, sa fille, et sa femme. Sept. Pour le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de s'impurifier, même pour eux. D'accord ? Question de savoir maintenant, est-ce que les trois types de Kohen qu'on a évoqués vont tous être concernés par ces mitzvot ? Autre cas de figure encore, se marier, un Kohen Gadol, un Kohen classique, n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Mais il peut se marier avec une veuve, même si elle a déjà eu des rapports avec un homme, même si elle a déjà été mariée avec un homme. Tant qu'elle n'a pas été divorcée, il peut se marier avec elle. Un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec elle. Il n'a pas le droit non plus de se marier même, ni avec une veuve, ni même avec une femme qui a déjà connu quelqu'un, même si ce n'était pas en tant que mariage. Et pas même, il a même une obligation de se marier avec une Betoula, avec une vierge, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Parce qu'après, la femme, elle commence à perdre sa virginité. C'est-à-dire la peau qui la garde fermée. Et là, d'accord, les simanim, les betulim, ce qu'on appelle les betulim. Donc, est-ce que les trois kohanim sont concernés par ces mitzvot? Il y a encore comme ça plein de mitzvot particulières. Il y a en l'occurrence, ce qu'on parle depuis maintenant plusieurs mishnayot, le par kohen mashiach, à savoir apporter le korban khatat particulier qui ne s'adresse qu'au kohen gadol. Qui est concerné par ce Kohen? Est-ce que même le Kohen Gadol, qui n'a pas été oint par l'huile d'onction, il est concerné ou pas? Ça va être le sujet de notre Mishnah. Il y a encore comme ça, on va découvrir, ouais, j'introduis comme ça une fois quand on va les revoir à la Seder dans la Mishnah, ça ira beaucoup plus vite. Il y a encore, si ça vous intéresse, il y a par exemple le Kohen Gadol a l'obligation de se couper les cheveux toutes les semaines. Il doit nécessairement avoir interdit de... Il n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux. Il ne fallait pas qu'il se rase la tête complètement. Il avait une coupe bien particulière. Beth Elasha, je crois que ça s'appelait Elasha dans la Gemara, j'ai oublié son nom, on le retrouve dans Sanhedrin, dans la Sacrée Sanhedrin, Tisporet Beth Elasha, je crois que ça s'appelait dans la Gemara, qu'il fallait que chaque cheveu, il ait la taille pour que si on le couche, il va toucher la racine du cheveu qui le suit. C'était le niveau qu'il fallait avoir. Je ne sais pas si correspond au numéro, dans les numéros des sabots, ça fait numéro 1, 2, je ne sais pas, c'est à peu près ça. Il avait pas le droit de se laisser pousser les cheveux. Qui est concerné de nouveau par cette mitzvah? Tout ça, c'est le sujet. Il y a, à part ça encore, je l'introduis encore parce que ce sera encore un autre domaine. Il y a tous les jours, au Beth Amikdash, il fallait apporter une offrande, une oblation plutôt, particulière du Kohen. Ouais, c'est pas qu'il était là qu'il apportait lui-même. Il laissait de l'argent, il achetait lui-même cette oblation, et les Kohanim qui étaient au Beth Amikdash, ils s'occupaient de lui apporter. Est-ce que les trois, si on se retrouve avec trois Kohanim, Kohen Gadol, alors chacun doit apporter cette oblation ou il n'y en a qu'un seul qui est concerné? Voilà à peu près tous les sujets qu'on va voir dans notre Mishnah, et puis maintenant on les refait dans l'ordre. Et ve'eizehu ha-Mashiach. Qui est donc le Kohen Mashiach? Dans la Torah, tu me dis qu'il faudra apporter un par Kohen Mashiach, un taureau spécialement lorsqu'il faut, et non une kisba au Seira, pas une brebis ou une chèvre. Il devra apporter un par, un taureau en tant que khatat, et apporter son sang dans le Echal. Qui est concerné? Qui est le Mashiach qui est concerné par cela? Hamashuach b'shemen ha-mishcha, lo ha-merube b'gadim. Ce n'est que celui qui a été oint par l'huile d'onction, et pas celui qui a été nommé Kohen parce qu'il avait les b'gadim, le merube b'gadim, celui qui a plein d'habits. C'est-à-dire à la différence d'un Kohen qui avait toujours quatre habits, il avait un mikbat, la tunique, le pantalon et le ceinturon, ça c'est le Kohen classique. Le Kohen Gadol, lui, il avait Shmoneh Bgadim, il avait 8 habits. Ouais, il avait la Mitznefet, le beau chapeau, avec le Tzitz, et il avait, bien sûr, le Mifnasaim, il avait dessus le Me'il, le Ephod, le Choshen, et sur ça, le Avnet, la grande ceinture, ça faisait Shmoneh Bgadim. Ça c'est pour le Kohen Gadol, qu'on appelle Merubeh Bgadim. En tout cas, donc la Mishnah nous enseigne. Celui qui a la mitzvah particulière, que lorsqu'il faut, il doit apporter un par, ça ne concerne que celui qui a été oint par l'huile d'onction, et non pas le Kohen Gadol, qui a été nommé Kohen Gadol uniquement en étant distingué par les beaux habits du Kohen Gadol, mais sans l'huile d'onction.
Et la Mishnah continue en nous disant, du coup, elle va nous faire de l'ordre dans tous les Kohanim qui est concerné par qui, en nous disant En ben Kohen amashuach beshemen mishchal, imrubi gadim, et la par abba al kol amitzvot. Il n'y a de différence entre le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction et le Kohen qui n'a pas reçu l'huile d'onction, mais qui a été nommé Kohen Gadol de tout le peuple d'Israël. La seule différence, la seule halakha sur laquelle il y aura une différence entre les deux, ce sera et là, par abba al kol amitzvot. Uniquement le taureau que l'on apporte lorsqu'on transgresse une avera beshogeg, un khatat, lorsqu'on travaille un khatat. C'est la seule différence. Tandis que toutes les autres mitzvot, elles concernent les deux Kohen Gadol, aussi bien l'un que l'autre, aussi bien le Kohen, si je peux dire, aussi bien le Kohen Gadol du Beit Rishon, du premier Beit Hamikdash, que le Kohen Gadol du deuxième Beit Hamikdash, où il n'y avait plus l'huile d'onction. Toutes les mitzvot le concernent. Le deuxième, à l'exception d'une seule, lorsqu'il commet donc son khatat, il ne devra pas apporter un par, mais apporter une kisba au seira, comme tout le monde. Ensuite, la Mishnah continue. Du coup, tu t'amuses à me faire les différences entre le Kohen Gadol, tel Kohen Gadol et un autre Kohen Gadol. Du coup, la Mishnah continue en nous disant Ve'en ben Kohen meshamesh le Kohen shavar. Il n'y a de différence entre le Kohen Gadol qui est en fonction les Kohen shavar, à la différence du Kohen qui a été déchu, révoqué, destitué, elle a été mise de côté sur la touche, parce qu'il il a été momentanément nommé pour un petit remplacement, ou bien parce qu'il a eu même un boom, comme ça le Tiferet Israël disait au début du Pérec. Alors, les seules différences que l'on aura entre eux, ce sera « Et la par Yom Kippourim va Siri Taifa ». Deux différences uniquement, c'est le droit de faire la avoda du Yom Kippourim, l'expiation du Yom Kippourim. À Kippour, il y a tout un rituel pour se faire expier toutes les fautes. Le peuple d'Israël entièrement se fait expier grâce aux deux boucs, le Seir Lachem et le Seir Lazazel, tout le rituel. Tandis que le Kohen Gadol, lui, il devait apporter un par. Il devait lui acheter un par, un taureau, et le faire lui-même. Il devait acheter avec son propre argent et lui faire un taureau pour expier lui et les autres Kohanim. Du coup, la Mishnah nous enseigne, sache que le Kohen Gadol, qui n'est pas en fonction, qui a été nommé momentanément une fois, mais ensuite il a été mis sur la touche, lui ne devra pas se faire expier en apportant lui aussi un deuxième part. Le part que l'autre, que le vrai Kohen Gadol en fonction va apporter, va aussi lui expier ses fautes au Sgan, en fait, au second Kohen qui a été mis pour le moment sur la touche. Ou encore, et encore une autre différence entre eux, va Asirit Haefa. Le dixième de l'Aïfa, c'est-à-dire c'est l'oblation que je vous ai dit, qu'il fallait apporter tous les jours, la moitié le matin, la moitié le soir. C'était donc le Kohen Gadol qui devait payer ça, amener lui sa semoule, sa solette au Beit HaMikdash, et les Kohanim s'occupaient de lui apporter, de faire une offrande, une oblation, tous les jours de cela. Le seul concerné par cette mitzvah particulière, c'est le Kohen Gadol en fonction. Et pas le Kohen Gadol qui a été momentanément nommé et ensuite qui a été destitué. Par contre, Vezevaze Shavin Bavodatium Akipurim. Aussi bien l'un que l'autre sont concernés par la Avoda de Yom Akipurim. J'ai un petit problème. De quoi il parle? Shein avodat oto ayom keshera ela bekohen gadol bilvad. Bekohen meshamesh bekohen shavar shavinba. Ah, les deux sont concernés, c'est-à-dire les deux ont la capacité de pouvoir faire la avoda de Yom Kippourim. D'accord? Ou metsuvin ala betula. Les deux sont concernés par le devoir de ne se marier qu'avec une femme vierge, comme ce qu'on a dit, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, tant qu'elle a encore ses betulim. Va asurin ala almana. Les deux n'ont pas le droit de se marier avec une almana, avec une veuve. Ça concerne tous les deux. Ouais, parce que c'est comme ce qu'on avait appris dans la Mishnah, il y a maintenant deux Mishnayot, que le Kohen Gadol, lorsqu'il a été oint, il reste un Kohen Gadol oint pour le restant de sa vie, même s'il n'est plus en fonction. Donc ils ne peuvent plus se marier avec une veuve. Ve'enan mitam in bikovehen. Ils n'ont pas le droit de se rendre impurs pour leurs proches parents qui sont morts. L'oporin velo formin. Ils n'ont pas le droit de se laisser pousser les cheveux, c'est-à-dire ils doivent se couper les cheveux une fois par semaine, nécessairement. Même le Kohen Gadol qui n'est plus en fonction, il n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux. Velo formin, ils n'ont pas le droit de se déchirer les habits lorsqu'il y a un mort, faire la kriya, comme l'Oalenu, lorsqu'on perd quelqu'un,
alors il faut faire la kriya déchirer sa habit, eux ils n'ont pas le droit de faire la kriya. Ou machazirin et arotzeach, encore une autre halakha, que cette fois-ci qui nous concerne à ce qu'on apprenait dans Makot Perek Sheni, où on apprenait que celui qui a tué Beshogeg, il part en exil. Lorsque le Kohen Gadol meurt, alors il a le droit de revenir maintenant à sa ville. La Mishnah nous enseigne, sache que deux Kohanim ont la capacité de ramener le Rotseach, c'est si le Kohen Gadol en fonction meurt, ou même le Kohen Gadol, l'autre, qui était le Sgan, le second, meurt, et le Bartano rapporte ici, dès qu'il y en a un des deux qui meurt, qui décède, un des deux Kohen, l'assassin Beshogeg a le droit maintenant de quitter la ville d'exil, la ville de refuge, pour regagner son domicile, et il a fini de se faire expier ses fautes. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est toujours une peine. Salam.